curvanța. Obéissement le Seigneur. O pavole colo. Vivant cette journée possible. Na mon colo oyo akokiseli pona biso. Bénissons le Seigneur de voir aussi les hommes de Dieu parmi nous. Je vois mon ami Hervé. Que Dieu te bénisse, Hervé. Merci. Et je vais appeler les hommes de Dieu pour vous saluer. J'espère qu'ils ne vous ont pas encore, salué. Je commence par ma Jaël. Je l'invite sous vos applaudissements. Seigneur William Branham bénisse. Je crois que je ne suis pas invisible. Je suis un Branham. Nous sommes dans la famille Branham. Et nous adorons Branham. Mon nom c'est Majael Bakol Mubabing. Je viens de Chikapa, dans la province de Kassai. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons encore le Seigneur. Oui, nous avons encore un doyen. Pasteur, s'il vous plaît, applaudissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ne suis pas aussi invisible. Je suis de la famille Branham. Je réponds au nom du pasteur Paul Tchamala. Je suis pasteur au Branham Tabernacle de Chikapa. Dans la commune de Djibumba. Et le Seigneur Branham vous bénisse. Ses serviteurs. Nous pouvons nous tenir debout. Genèse 1:27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de m'efforcer d'atterrir. Mais je crois qu'on va voir comment on va évoluer. Nous parlons de l'Immaculée Conception. Nous avons vu le premier volet. Qui nous montre pourquoi William Branham devait avoir une naissance naturelle. William Branham et
Et nous sommes dans notre deuxième volet que nous avons intitulé la transplantation. Et nous avons vu que Dieu a créé l'homme dans Genèse 1:27. Mais dans Genèse 2:7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc il y a deux hommes. Il y a un homme créé à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Cet homme est esprit. Créé de l'esprit. Et Dieu a créé un tabernacle, un homme cher. Pour mieux dire, il a formé de la poussière de la terre. Il y a un homme esprit. Genèse 1:27. Et il y a un homme terre. Alors il fallait qu'il y ait une incarnation. Cet homme esprit a été placé dans l'homme poussière. Et c'est un seul homme. Mais double maintenant. C'est ce qu'était Adam. Maintenant, la transplantation ne concerne pas l'homme esprit. Parce que lorsqu'on dit transplantation, on voit les termes plante. Et nous avons vu Frère Branham dire que les hommes sont comme des plantes. C'est pourquoi Dieu a pris de la terre. Mais chose bizarre, lisons ça d'abord ici. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Du 13 janvier 57. Paragraphe 39. Remontons là. Avant le commencement du monde. Eh bien, l'hélice provient de la terre. Vous aussi. Le lys, c'est une plante. Provient de la terre. Vous aussi. Si c'est vrai, c'est que nous étions donc ici. Nos corps se trouvaient sur la terre avant qu'il y ait quelconque vie ici. Quand il dit nos corps, son corps y compris, tout cela ne pouvait pas être créé en 1909. On ne peut pas créer ce qui était déjà. Déjà, quand Dieu a créé la Genèse, le corps de William Marion Branham, ton corps et mon corps étaient sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, tu viens de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Vous voyez? Et nous avons dit que nous comprenons comment nous retournons dans la poussière. Lorsqu'un jour, le roue de cette vie mortelle s'arrête. Hors de la portée de mortel. L'homme de Genèse 1:27 s'envole. Comme nous chantons un bon matin, quand tout sera fini, m'envoler.
ce n'est pas cet homme qui s'envole, l'homme de Genèse 2.7, mais l'homme de Genèse 1.27, l'homme ne respire plus. Nous avons dit que la forme de cet homme de Genèse 2.7 vient de l'homme de Genèse 1.27. La forme que tu as vient de ta théophanie. Alors quand cette théophanie part, cette montre commence à changer de forme. Commence à gonfler. Pourquoi? Parce que l'auteur de cette forme s'est envolé. Et on ne sait même plus rester à côté de toi. Tu commences à sentir mauvais. On dit qu'est-ce qu'on doit faire? Les retourner dans la poussière. On va aller creuser la terre et on te met là. Il y aura des asticots qui commenceront à sortir après quelques jours. Et si on revient après plusieurs années, si on ouvre la terre, on verra de la poussière. Rien d'autre. Peut-être une crâne, un peu de dents. Et si on passe encore beaucoup de temps, vous voyez, l'homme qui est pris de la poussière est rentré dans la poussière. Mais comment est-ce qu'il est pris de la poussière? Pour Adam, c'était facile. C'est Dieu qui a pris. Mais pour toi, pour moi, frère Branham dit, nos corps étaient aussi là. Dans cette même poussière. Mais comment tu es né en 1970 alors que ton corps est là? Comment il t'a pris de la poussière? Regardez, dans l'imitation du christianisme, paragraphe 166, il parle de ses proches qui étaient morts. Il dit, j'étais convaincu d'une chose. Ils reposaient dans leur tombe respective. D'ici à Walnut Ridge, j'étais séparé de ma famille. Mon papa, mon frère, mon épouse, mon bébé, il retournait à la poussière de la terre. D'où ils avaient été tirés. Mais je suis conscient d'une chose. Il devait être ici quand le monde a été formé. Puisqu'ils ont été tirés de la terre, ils étaient ici quand la terre a été formés. Nos corps étaient ici avant la fondation de la terre. Quand nous avons été tirés de la terre. Amen. Amen. Dans la mer future, paragraphe 361, et vous, vous êtes une partie de la terre. Elle est rachetée par là. Vous êtes dans le processus. Ça continue à pousser. Votre corps, ce que vous avez là maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Hein, votre corps. Voilà. Votre corps a été justifié sous le baptême de Noé. Votre corps, quand le déluge est tombé, c'était la justification de ton corps. Et ton corps est
nous étions dans la poussière. Et la Bible dit Dieu maudit le sol. Le corps fut alors maudit. Tout notre corps devait passer dans un processus. Le corps ont été justifiés. Et le corps ont été justifiés. Donc nos corps, celui de frère Branham, nos corps sont plus vieux que le corps de Jésus. Le corps de Jésus a été créé à l'an zéro. Si vous êtes avec moi, le corps de Jésus, ça n'a pas existé à l'Éden. Quand toute la terre était tombée, Dieu avait besoin d'un prix. Il y a quelque chose qu'il devait payer. Alors il devait créer un corps nouveau. Puisque tous les autres était condamné. Quand Jésus est venu pour amener le premier Adam, le souci de Dieu, ce n'était pas de créer un autre Adam. Parce que quand il a créé le premier Adam, il a dit c'est parfait. Et Paul dit prenons la perfection. Il fallait que quelqu'un sorte, ouvrir une brèche. Et que le premier fils de Tamar puisse venir. Vous êtes avec moi? Vous allez avec le mot? D'accord. Maintenant, regardez. Nos corps étaient là. Quand Adam marchait, nos corps étaient là. Sous quelle forme? Père Branham dit, sous une forme appelée germe. Nous avons parlé de germe. Nous avons pris un petit enfant. Mettez-les dehors. Il va prendre de la poussière de la terre. Il va manger ça comme du fou. Si vous prenez la poussière, vous ne verrez rien. Mais quelques temps après, il y avait des germes là. C'est ce qu'on appelle des vers intestinaux. Ça commence à se développer. C'est invisible à l'œil nu. Il faut des vers grossissants. Et alors, votre corps, en Genèse, c'était déjà. Et frère Branham dit, nous avons fait ça le vendredi. Nous avons Genèse. Frère Branham dit ici dans Genèse. Le problème dit Awana et Bandeli. Nos corps sont là. Bantu la bise est Awana. Où ça? Watibula. Dans la poussière. Tina Pundulu Yamadeli. Quand l'homme de Genèse 1 verset s'est envolé. Tamoya et Bandeli. Mon côté mène à Zamboa Bimboakei. Qui est le titre de propriété? Yoyazali Mokanda Makoki. Et maintenant, comme lui vaut est parti. L'homme maintenant
a contourné, contourné celui-ci, il venait directement corps. Debo ye moto, ezalaki koya atambwe musika ya oyoyo ayimba la moto nzoto. Et ce corps dans Genèse, neka na kati na bandeli nzoto yo, était des germes. Ba nzoto ezalaki bimboto. Ce n'est pas ta mère qui était là. Ezalaki te moko nanga ezalaki wana. C'était un petit germe. Ezalaki mwa momboto moko ya moke. Maintenant, frère Manandi, ces germes subissaient des transformations jusqu'à prendre sa forme réelle. Dans l'arrière, grand-père. Il dit c'est dans ton arrière, grand-père, que ces germes prend forme réelle et devient actif. Et il dit, enfin il est transplanté, transmis de ton arrière grand-père dans ton grand-père et de ton grand-père dans ton père et de ton père dans ta mère et dans ta mère. Amen. Amen. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Et le sixième jour, il crée l'homme. Le septième jour, l'homme de Genèse 1:27. Il est entré dans cette vie. Et tu deviens un homme. Amen. 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 Et ce voyage de germe, c'est ça qui est appelé la transplantation de nos corps. Lisons dans la guérison. Prêchez le 4 septembre 53. Par exemple, vous, vous-même, vous faites ça. Il fut un temps où vous n'étiez rien ou nulle part. Mais il y aura un temps où vous serez quelque chose et quelque part. Et bien tout d'abord, vous étiez un petit germe. C'est le sexe mâle qui produit les germes de vie. Amen. Amen. Voilà ce que vous étiez. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Paragraphe 13. Maintenant, si vous remarquez bien, ces petits germes commencent à grandir et cela prend forme. Et c'est ce que vous étiez autrefois. Ton corps que tu avais touché là, c'était un germe créé depuis la Genèse. Non, pas le jour où tu es sorti. Ça, c'est dans l'arrière-grand-père. Ces germes ont atteint ton arrière-grand-père, on verra comment. Et c'est là où le germe devient actif. Donc, vous croyez maintenant. Du 17 août 52. Et terminé moi zoomi na sambo sans ça moi mbé mbutu kumita na mi bali. Paragraphe 48. Et si kota na tukumine na moi mbé. Je lis directement. Nazali mbala moko kota. Mena remarqué. De sika wobota na keba. Eh bien. Malam. Au départ. Na ele bande ni tona kobanda. Votre corps était un germe dans votre arrière grand-père. Zoto na yé salaka de mon mbutu kati na nkoko ya nkoko abota yu. Votre corps, touchez encore votre corps. Si pas le sou zoto ya yo. Et un germe où? Zoto wane zaki mon boto wapi. Dans votre arrière. Kati na koko ya koko. Ya koko. Ya koko a bota yo. Mais il a été créé où? Et que la mande na zenes. Écoutez. Yoka. Dans votre
virgule, les germes ont commencé à devenir actifs. Comme les germes de vers intestinaux qui sont sur la terre ne sont pas actifs. Ils ne font rien, ils ne font pas la maladie. Ces germes entrent en contact avec le ventre d'un bébé. Dès qu'il quitte la poussière, il devient actif. Le savez-vous? Je le dis. Maintenant remarquez. Eh bien, au départ, votre corps était un germe dans votre arrière-grand-père. Le germe a commencé à devenir actif. Il dit là, eh bien, si vous étiez germe dans votre arrière-grand-père, vous êtes passé par votre grand-père jusqu'à votre père. Et puis, c'est comme ça que les germes de votre corps se forment. Dans des monologies, domaine physique, je parle par exemple d'un il y a un temps où nous étions sous forme de germes dans notre arrière-grand-père. Ça, vous le savez. Il dit aussi, le docteur le sait. Et bien, vous aussi, vous le savez. Vous, lecteurs de la Bible, vous savez que les germes de vie ont commencé dans votre arrière-grand-père à prendre la forme des germes. Il s'est transmis par votre grand-père, ensuite à votre père, et ensuite à votre mère, et là où vous êtes maintenant. C'est un mystère. Donc tu n'as pas l'âge de ton année de naissance. Tu as le même âge que la terre, vous êtes avec moi. Mais de Genèse jusqu'à votre grand-père, le germe était passif. Passif. Un petit germe minuscule. Ça devient actif dans votre arrière-grand-père. Écoutez, dans le principe de la guérison divine. Il venait en septembre 51. Je suis né, je crois que les dons et les appels sont sans repentir. Combien les chrétiens croient cela? Ce n'est pas ce que vous essayez de vous efforcer à faire qui compte. C'est ce que vous devez être de par votre naissance. Voyez, jadis lors de la formation, vous commencez dans votre germe de vie. Quand vous étiez sous forme de germe de vie dans votre arrière-grand-père, voilà pourquoi nous avons dit. Le frère Branham le dit. Dans votre arrière-grand-père, vous êtes devenu actif. Toutes les actions de votre arrière-grand-père vous impliquent.
S'il a tué, tu as tué. Hein? Si c'est. Il était sorcier. Sokoyazaka. Doki. Tu as les germes et les ADN de la sorcellerie. Est-ce que tu comprends ça? Osoyamo. Listen. Le baptême du Saint-Esprit. Du 28 septembre 58. 98. Comme nous le disions, pour revenir à ce petit sujet juste pendant une minute, comment l'enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans le royaume durant 14 générations? Et comment l'iniquité des parents est tombé sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Voilà ce qui est encourageant. Demain, la justice des parents retombe également. Ce que vous faites, écoutez bien, ce que vous faites, s'il doit y avoir un lendemain, et que vous ayez un arrière petit-fils, arrière petit-fils, ce n'est pas le petit-fils. Là, on vous prend comme le grand-père. Vous mettez un fils. Le fils. Met au monde son fils là et le fils de votre le votre petit fils quand il met au monde on appelle arrière petit fils. Ce que vous faites tu vois votre quatrième génération. Ce que tu fais maintenant tu vois le fils de ton fils de ton fils. Écoutez, Yoka, vos actions d'aujourd'hui, Misala, ce que vous faites, Oyo Salaka, s'il doit y avoir un lendemain, et que vous ayez un arrière petit fils, vos actions d'aujourd'hui, Misala, le dîme de tout ce qu'il avait. Et ensuite il dit au sujet des dîmes que seul Lévi pouvait recevoir le dîme. Et il dit que Lévi qui reçoit le dîme a payé la dîme. Quand il était encore dans les reins d'Abraham, Lévi était déjà actif. Lévi, Azalaki ko zala musala. En Abraham, Lévi déjà ses actions comptaient. Katina Abraham a Lévi misala la etaka. On dit que Lévi a payé la dîme. On lui a payé la futa ki moko nason. Mais sous quelle forme? A futa ki amolo lenge kan. Sous forme d'un petit germe minuscule. A futa ki amolo lenge ya mboto moko moke pwede. Et quand ton arrière grand-père agissait. Quand il a volé une boule de son voisin. Quand il a volé une chèvre de sa voisine. Excusez-moi. Cela est compté sur vous.
koyiba wana toki moyibi wana ye kotanga malikolo na yo. Voilà pourquoi frère Branham a amené une prédication. La délivrance totale. Cela veut dire que quand vous priez pour la délivrance, ne voyez pas seulement, ne vous voyez pas vous. Ce que vous subissez, je vais le dire mieux. Votre situation actuelle est étroitement liée aux actions qui commencent depuis votre arrière-grand-père. Passant par votre grand-père, on prend les actions de votre arrière-grand-père. On ajoute les actions de votre grand-père. On ajoute les actions de qui? De votre père. Est-ce que vous comprenez comment un homme est une vie? Abraham était une ville où Lévi habitait. Lévi. Et frère Branham dit, ce que toi tu fais maintenant, tu es en train de condamner ta progéniture. Mais c'est un bandit. Mais c'est une petite affaire. Vérifier l'année de colonne aïe dans son passé. Dans la simanaïe, kunaka la simanaïe. Ses parents, peut-être, ont fait des actions de Basala Makamoto, Misala Oyo ya papa Bolito Malam. C'est pourquoi quand les Hébreux étaient à l'Égypte, Yamoti Nézala qui m'a aimé le gars de l'Égypte, tu as dit quoi? Ça va au Bakani. Je me suis souvenu de la promesse faite à qui? Ce n'est pas seulement Abraham, chers amis. Je peux se souvenir d'un acte posé par un arrière-grand-père et agir sur cette base. Ils ne connaissaient pas Abraham. Tu veux que tes enfants soient comment? Yo, on s'en a pas à la dégaine. La postérité d'Abraham. Le 23 avril 59. Et certains d'entre vous-mêmes, je désire que vous remarquiez aussi quelque chose ici. En rapport avec le paiement de la dîme. Or, Lévi était encore dans les reins d'Abraham. Lévi, quand ce dernier a rencontré Melchisedec, et la dîme qu'Abraham paya à Melchisedec fut aussi attribuée à Lévi. La Bible dit que Lévi qui recevait les dîmes avait payé les dîmes parce qu'il était encore dans les reins d'avant, c'est-à-dire actif. Il était actif. Mais avant qu'il devienne Abraham, il était poussière passive. Mais il était poussière passive.
La compréhension d'actif et passif. Dieu ne peut pas compter les actions de quelqu'un qui est encore dans la poussière. Mais c'est quand tu atteins le grand-père, tu deviens actif. Pour Dieu, il commence à te voir en ce moment. En fait, pour Dieu, c'est alors que Dieu est manifesté sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit. Et le message dit, l'agneau devait rester sur le trône jusqu'à ce que le dernier élu sera manifesté sur la terre. Avant 63, nous croyons que Christ est descendu. Si tu es manifesté à ta naissance, tu vois qu'il est descendu, tu n'es même pas élu. Parce que il faut que le dernier élu. Soit manifesté sur la terre. Il se fait par ailleurs dire soit manifesté. Alors, Dieu a vu le dernier élu sous la forme de chair. Comme il a vu Lévi sous la forme de Jean. Vous êtes avec moi? Vous avez avec Longo? Écoutez, on continue. Yoka, tu sais Koko. La Bible dit que Lévi recevait les dîmes. Avait payé les dîmes parce qu'il était encore dans les rênes d'Abraham. Lesquels étaient son arrière-arrière-grand-père. Quand ce dernier a rencontré Melchisedec, j'aurais souhaité avoir le temps ici pour prêcher sur semer le vent et récolter la tempête. Et on va chercher ça, il a prêché ça. Et quoi? Les actes que vous posez, si vous ne les récoltez pas, si vos enfants ne les récoltent pas, si vos petits-enfants ne les récoltent pas, votre petit, votre arrière-petit-fils ne manquera pas de les récolter. Et ce que tu sèmes aujourd'hui, Dieu c'est le meilleur payeur qui soit. Le vendredi jeudi, le croyant de Branham ne savent pas faire de grandes choses pour leur Dieu. Où sont ces croyants comme John Charit? Ils disent, si j'avais le temps, je n'allais pas prêcher, semer le vent et récolter la tempête. Je suis devenu évangélique le vendredi un peu là. Regardez, le principe de la prospérité par excellence, c'est la loi de donner et recevoir. J'ai donné l'exemple des deux cultivateurs. Tu as quelques grains de maïs. L'autre a aussi des grains de maïs. Toi tu dis, je ne veux pas donner ça à la terre. Et qui est la terre? Tu viens de la terre. Je ne veux pas s'aimer ça. Quand tu sèmes, tu sèmes au germe, non? Ils sont des hommes qui sont dans la poussée, qui mangent ça. Est-ce qu'on comprend? En fait, vous donnez aux hommes. Les cultivateurs distribuent aux hommes. Toi, tu dis, j'ai tellement faim. Non, ça n'a pas de popcorn. Mais ça, on a un nom qui est calme, on a un calme.
Alors que la terre est en train de te regarder. Un autre temps. Mosusu. Il prend ça. Mobali Mosusu a suivi Congo naïe. Il sait. A Tiboli Mabele, à Kabeli Mabele à Kundi, à Kabeli Mabele à Kundi, à Kabeli Mabele à Kundi. La question. Motuna Yangol. Qu'est-ce que ces grains vont faire? Ça va pourrir. Molona le Bosani, Egopola. C'est comme s'il a jeté. Ça va disparaître. Et mon ami, il a perdu. A mais l'autre, il a mangé son patron et fait gonfler. Il commence à faire. Il est là, content. L'autre, Mosusu, est resté affamé. Mais il a donné. Il a semé. Après quelques temps, ça va revenir. Ça sera un petit grain. Ça sera un petit grain. Il a semé quoi? Le vent. Il a récolté quoi? C'est un principe immuable. C'est écrit dans la nature. On a peur de donner. On a peur. Même les enfants ici. Ne dépend pas de ta doctrine. Si vous allez voter au champ, un catholique endurci. Toi, parce que tu crois, Brana. Moi, je ne sais pas. Mais je vais récolter. Le catholique va récolter. Comprenez-vous pourquoi les églises dénominationnelles prospèrent financièrement? Qu'est-ce qu'ils le font d'une mauvaise manière? Venez semer! J'ai besoin de trois personnes qui vont semer $1,000. Vous, les gens ne vont pas se faire. Vous pensez que va se faire. Vous, vous les insultez, vous êtes des idiots. Vous pensez que c'est des idiots. Dieu honore, bien que l'autre qui est à la chaise d'un aventurier. Zambia a dit beaucoup, mais ça tombe pour tout ça. Bola pour le bango basalia. $1,000. $1,000. Revenez dans cette église quelques temps après. De Yaka, si ma bata mon église avant. Vous les verrez monter. Vous commandez un bango matin. Donnez un témoignage. Bah, si vous copiez ça matin. Bande pour alléluia. Bande pour alléluia. Vous voyez, vous connaissez un prophète à Robert. Vous voyez, c'est tout le monde. Le prophète a fait dit va battre le loca. Si la mango va vous manger, si vous allez voir les massacres. Mango va nous aussi comme ça. Prophète à Robert. Le prophète a fait dit. En sortant comme ça, aussitôt sorti, on m'appelle au travail. Parce que, bon, il a suivi le loi que Dieu a mise dans la nature. Où sont les gens de John Charit? Où sont les gens qui peuvent dire non. Je vais les plafonniers ne sont pas suffisants, je vais en acheter. Namoni, moi, ma ventilateur et ma lilo et ça, y a beaucoup de temps, n'a pas qu'il s'en sous la somme. Pouvez faire ça, mon bébé. Comment tu vas le faire quand tu ne penses que à manger tes maïs toi-même? L'oulégué de l'eau, pour ça, la route, tant qu'on a mis au moko, le canisa, et ça, pour voir ma salle. Comment tu vas le faire quand tu ne penses qu'à tes enfants? L'oulégué de l'eau, pour ça, la route, au somme, y'a mon temps, pour y'a mon moko, le canisa, car à polier à banan. Mes enfants doivent aller à l'école. Banan, mais c'est que les gars font terminer le fal. Écoutez, Yoka, tout ce que vous faites.
n'a pas de valeur. Mais ce que vous faites pour les sables, c'est ce qui vous est restitué. Apprenez à donner. Apprenez à soutenir. Apprenez à donner des offrandes conséquentes. Même chose avec les administrateurs. Comment là-bas? Il n'y a rien. Et le côté est ça. Des pieds même déchirés. Mais frère, les secrets de la prospérité, Dieu l'a mis là. Voilà des sables qui sont là, le ministre, le sol. Vous connaissez l'histoire de John Charit? Qu'est-ce qu'il est devenu? Milliardaire. Mais comment il a fait les choses? Il construit une villa. Dieu lui dit, toi tu ne vas pas habiter là. Donc tu vois ce serviteur là. Imagine-toi, nous sommes encore dans la Kinshasa, nous sommes nous pas. Non, mais c'est la plus grande richesse. Et surtout à Kinshasa ici, à ce qu'il y a une parcelle, c'est. Mais Dieu m'appelle. Prends ça. Et heureusement, il avait une bonne sœur. Et c'est beaucoup pour la yéda qui n'a pas moi. Sinon, avec nos sœurs, certaines de nos sœurs, ça fait. Pensez, mettez-vous un peu à la place de la femme de John Charit. John Charit vient vous voir. John Charit est comment là, yo? Chérie. Tu vois cette maison ici? Nous allons aller louer. Bisso, tozo ke de kufute là. Tu vois ce ministre là qui souffre là. Omoni mosai na nzambe wana motei wana zo komona pasi wana. Dieu me dit d'aller donner ça. Nzamba lobi na ngaina pesa ye ndako ya kitoko. Omona Saint Esprit et Kimi. Le Saint Esprit va s'enfuir de la sœur, vous la verrez. Je vais vous dire la vérité. N'allez pas sinon son. Omona Saint Ingo de tout confirme. Et le gars, de comment c'est Yann Duki, avant de vous bouder contre Yemoko. Nini, c'est quoi? Non, ça n'a pas été le Dieu vient de me dire que. Il y aura des réunions de famille. Bah, comment t'as ma kitana bande de Walibota? Non, pas de ça. Est-ce qu'ils ont besoin de ça après? Ça, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Tu es sûr? Mais c'est ça. Mais Dieu m'a parlé. Ça va tout ça, la vie, quoi la paix? Ça va pas vraiment, hein? Tu ne peux pas agir comme ça? Jamais, jamais! Tu ne peux pas agir comme ça? Tout ça dans la mon corps! Une maison, une seule maison qu'on a! Jamais! Dieu m'a dit! Et vous allez voir, il va aller chez l'oncle. Mais pour moi, si. Il va voir la tête. Oh, ya! A qui vous avez dit, Noko, Tata, moi, si. Maman Koult, maman Ekiboya, non, non, ma capoïsa. Mais John Charit a fait ça. Parce que John Charit a ça là, yango. Voilà pourquoi même Abraham, lorsqu'il voulait offrir Isaac, il n'a pas porté à Sarah. Yango, Tina, Abalaya, Matapa, les gars qui commandent à Isaac, à Nambeka, Beta, qui ne serait pas une salade. Voilà les grandes choses que vous voulez faire pour Dieu. Mais la moussou, ma capoïsa, on l'a dit, on l'a dit, évitez d'en parler à votre femme. Boya, Kobeta, les gens, on l'a dit, on l'a dit, on. Excusez-moi, mes soeurs. Pardon. C'est la parole. Et ça, il va. Amen. Lorsqu'il s'agit du Seigneur, si tu oses dire à ta femme, tu ne le feras plus. À moins qu'elle soit comme la femme de John Charit. Il a dit, bon, non. Alors, il dit, ah, il a monté ton pays sa casse. Ton pays sa casse. Ils ont donné et Dieu a remboursé. Et John Charit commençait à donner une dîme de combien? 4 millions de dollars. C'est-à-dire lui, par an, il gagnait 400 millions. Et lui dit qu'il a un million de dollars et un million de dollars. Et ce qu'il a fait, est-ce que ses petits-fils n'ont pas bénéficié? Parce que déjà l'argent physique est là dans les comptes, ses petits-fils automatiquement bénéficient.
Mon frère, toi, il même était ton frère. Adam aux alénéaux, bébé, nous sommes gaillés. Quelle est l'explication? Bandimola et Bélé. Était ton frère. Sunga de Konayo. Non, tu ne peux pas. T'es au quitté. Payer le fan, la dîme n'en parlons même pas. Mon corazon, il faut tout tomber dans les solotés. Non. Tête. Tu payes la dîme. Aux autres, on fout à mon corazon. Tu payes, c'est moi. Sans ça, on fout. Le deuxième mois, c'est à dire moi, l'autre mois et le mois qui viendra là, je ne paye pas. Moi, appelle à vous. Toi-même. Yo, mon gogat. Après moi, on a eu. Si Manango, moi, sans Ango, il a dit pas ça, on a souillé. N'a foutu. Là, voilà. Pour la dîme. Pour la moko, la zone. Dieu t'appelle voleur. Ça passe à combien de temps, Moïbi. Dieu, les créateurs. J'avais mon guéri. T'appelle voleur. Bon, Ibi. Ça dit quand Dieu te donne 10. Il dit que tes sons va pécher sur lui. Dieu te dit. Ça va revenir à yo. Le 1 là. Mon corona. Je te mets ce match gérant pour que tu donnes à mon serviteur. N'a pécheur caca pour yo son angle au pécheur la caille mon sali. Mon frère. De quoi la caille. C'est comme on te donne 10 mangas. Et ça, nous avons pécheur par manga zone. 10 mangas. Par manga zone. Dieu te dit. Ça va revenir à yo. Une main, manga moko. Je ne te donne pas. Parce que tout ce que tu as, qui pense que tout ce qu'il a ici, ce n'est pas Dieu qui le donne. C'est le diable qui te donne. Alors, tout ce que tu reçois, c'est Dieu qui te le donne. Et Dieu dit, quand moi je te donne, le 1, ce n'est pas pour toi. Pour ce ministre-là. Pour la moussali, tout monté, Yuana. Mais yo, tellement que le bosso, tu as dit, tu manges la première main. Manga le bosso, Omeli. Imagine, tu manges la deuxième. Omeli a dit, Bane. On s'est gagné dans la robe. Huit. Et tu as dit, moi, Mbé. On s'est dit, manga, moi, je peux mettre l'autre là. Il y avait déjà une manga à côté, tu avais mis en train de la regarder. Ah, on s'est gagné à 7. Ah, ouais, tu as dit, c'est resté 7 manga. Bon, ça c'est la vie. Au lieu, on tire sur 1-1. Tu manges, il te reste maintenant une mangue à gauche, une mangue à droite. Vous allez voir, c'est sa main, inconsciemment, va aller faire ça. Au moment où le bon bonheur a qui dit, Banet, il y a eu vite, mais il y a eu, il y a eu, il y a eu. Donc, comment on a automatiquement, il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est un esprit qui est dans son corps. Donnez vite les dîmes, ne regardez pas, je vois à la maison. Moi-même, je paye mes dîmes, je sais à qui je le paye. Ça m'arrive. C'est pourquoi je parle de ce sujet. Vous avez, j'ai mis un sac là, je dis, dès que je tiens. Ça, je vais aller donner ma dîme. Après, dans la monnaie transport, essence, etc. À un certain moment, je regarde dans le véhicule, il n'y a pas de carburant. Moi-même, voleur. Je viens encore. Je viens encore. Ah, je suis là. Pour avoir quitté le carburant ici. Moi-même, je fais ça. Je ne vous connais pas. Vous. Mais nous prêchons. Nous avons commis à vivre sur mon copain. Le secret là. C'est qu'elle est encore là. Vous faites ça. Vous aidez les gens. Mais vous en faites pas. Vous travaillez pour votre progéniture. Amen. Amen. Faites le bien. Ça n'a pas de l'amour. Maintenant, chers amis, rentrons dans la séance. Comment le germe a quitté Genèse et est parvenu à votre arrière-grand-père? Comment? C'est ça la grande question. Comment c'était inactif?
Et brusquement, ça devient la campagne. Est-ce que les grands peuvent aller manger les sables? Écoutez, c'est une question. Quand Frère Branham parle de germes, il utilise des vocabulaires un peu bizarres que les autres sciences aiment utiliser. Il utilise le terme tel que un esprit supérieur. Il utilise le terme tel que une grande intelligence. Écoutez dans Joseph rencontre ses frères. 38. Le 30 décembre 57. Frère Branham parle de funérailles d'une plante, d'une fleur. Mais nous savons que nous sommes comme les animaux. Nous sommes comme les plantes sorties de la terre. Comme je le disais l'autre jour au funérail de notre bien-aimé sœur, nous sommes constitués d'un tas de 16 éléments venant de la terre. La lumière cosmique, le pétrole, et tout rassemblé. Nous étions ici quand tu as parlé, disant que ceci soit. Nos corps étaient là. Mais quelque chose, un esprit supérieur, nous a élevés pour être ce que nous sommes maintenant. Quand il a créé la terre, tu étais là. Mais un esprit supérieur a fait que tu sortes le jour de ta naissance là. Il appelle ça la grande intelligence. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 45. Quand je regardais un arbre, je suis resté dans les bois environ de 3 mois. Je vois un arbre. Je l'admire la beauté. Je le vois tomber. Et un autre pousse à sa place. Une vie perpétuelle. Je pense à cela. Mais quelque part, cet arbre a eu un commencement. Il a dû avoir un commencement. Un arbre, un peuplier, un palmier, ou n'importe lequel, ce qui devait avoir une intelligence supérieure là-derrière. Si il n'y avait eu qu'un chêne, il n'y aurait eu dans le monde que des chênes. Mais quelque chose, une grande intelligence supérieure a dû mettre cela en ordre. Cette grande intelligence, c'est ce qui est appelé El Elohim. C'est lui par un mécanisme mystérieux. Il a préservé ses germes. Mais écoutez, d'autres sont morts. D'autres germes mouraient. Et d'autres germes persécutaient.
La grande intelligence était en train de veiller sur toi. Amen. Amen. Et quand tu arrives à ton grand-père, vous n'étiez pas seul. Quand le papa est allé chez la maman, vous étiez des millions de germes à la poursuite de la terre promise qui était l'ovule. Natango, tata bota ya kedake pa ina mama ya bota yo. Bosala ki ba kese to ba milioni ya mipoto za ki ko ki mambango pona ko kenena mabele na ka bengi liaki yo za ki katina mama. La grande intelligence t'a conduit. Wanya monene ya tambu isa ki yo. Tu es sorti vainqueur. Obimi molongi. Tu es dans ta main. Bosala ki katina mama na yo wana na libumu. Pendant 9 mois. Ba sansa libwa. Il y a eu de risques d'avortement. Il y a eu de problèmes. Mais elle est là, Elohim. Kasi elle est là, Elohim. T'a préservé. Abatte la kio. T'a gardé. Abomba kio. Quand tu es sorti. Yo, bimi na libumu. Mais un enfant pour atteindre une année. Moi, n'a pas pour qu'il le taux de mortalité est très élevé à cette période-là. Na kati na taka wana. Voilà pourquoi on dit pour passer le vaccin. Il y a beaucoup de combattants qui donnent cet enfant à le vaccin. Donnez ce vaccin. Donc ta vie a toujours été un combat. Des légumes qu'on va boire, on a autant mangé ces aliments bon, on y a mis tout. Tifoïde vient. Tifoïde vient. Tifoïde vient. Rougeur. Tout ce qui vient. Ce n'est pas parce que tu étais bon. Mais cette même grande intelligence. De mailler les monnaies non yo. Et cette grande intelligence a agi comment? On n'a pas encore répondu à la question. Comment de la poussière tu es arrivé dans ton arrière-grand-père? Vous devez naître de nouveau. Genève, juin 58. Je l'ai 37-38. Eh bien, nous avons appris que nos corps proviennent de la poussière de la terre. Et la médecine affirme cela. La Bible aussi l'affirme. Et il y a une seule chose sur laquelle elle s'accorde. Nous sommes venus de la poussière de la terre. Et il y a quelques temps, je parlais dans une réunion de Iwanis. Et je parlais d'un sujet sur plusieurs personnes et ceux qui croyaient tout. Celle sur l'origine de nos corps. J'ai posé une question au médecin. Docteur, je voudrais vous poser une question. Le docteur là était là présent à la réunion. Et c'est vrai que mon corps est venu de la poussière de la terre. Il a dit, voyons donc, révérend. Vous êtes censé le savoir. Je dis oui. Mais j'aimerais savoir comment il est venu de la poussière de la terre. Écoutez. Eh bien, a-t-il dit, par la nourriture que vous mangez. Vraiment dit, l'homme vit des substances mortes. Quand vous mangez le pondou, vous avez tué le pondou. Et dans le pondou, il y a le fer. Il y a le calcium. Il y a tout ce qui constitue les 16 éléments chimiques dans l'alimentation. En mangeant l'homme,
et des cellules. Selon toi, c'est le père qui les crée. C'était là, mais ça honte. Et tu vas voir l'homme maintenant dans l'âge de la puberté, il commence à développer des cellules de procréation. Mais pourtant, quand il était bébé, il n'en avait pas. Mais comment c'est venu? Il y a eu un certain développement qui vient par les aliments qu'il mangeait. Et selon moi, on dit que cela crée les hémoglobines. Il posait des questions, comme je l'ai dit avec le docteur, il m'a dit ça, il posait des questions. Parce que lui, il avait déjà sa réponse. Un jour, il a encore posé la question à un docteur. Il dit, docteur, je vois ce signe d'un serpent sur la droite. Il dit, ça vient d'où ceci? Mais docteur dit, je ne sais pas. Il dit, mais docteur, mais un jour le serpent de rein, Moïse avait élevé un serpent sur le poteau comme signe de la guérison. C'est le symbole du véritable Christ. Il est dit dans le septième son. Comment nous venons de la terre? Oh, mais toi, tu devais le savoir. Par la nourriture que nous mangeons. Et il dit, vous mangez de la nourriture et elle se transforme en cellules de sang. L'homme ne crée pas ses cellules. L'homme les ramasse de la poussière par la nourriture. Alors j'ai été un jour comme sacrilège, je dis, si on vous dit que quelque part votre arrière-grand-père vous a mangé, Aliakayo sous forme de ces gerbes là. Maintenant, s'il veut vous manger, que vous avez cette forme, vous avez une doctrine. Comment tu es arrivé dans ton grand-père? Par la nourriture qu'il mangeait. Comment es-tu arrivé actif? Ici, tu ressembles aux plantes, à tout sortes de germes, les germes des animaux. Ah waouh, du verset juillet 62. Frère Branham parle toujours de la conversation avec le docteur. J'avais une petite chose pour lui. J'ai dit, docteur, je vais vous poser une question. Croyez-vous que l'homme a été tiré de la poussière de la terre? Il
Je pourrais. Je crois que l'homme, c'est la poussière de la terre. Absolument. Il a dit, vous voyez, vous mangez de la nourriture, et cette nourriture se transforme en sang. Amen. Amen. Et ce sang forme des tissus, ainsi cela devient. Parce que quand nous avons causé avec le docteur, excusez-moi, je le cite souvent parce que lui, il est comme ça, Médel, pour moi, je le consulte. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle le métabolisme ou quoi. Quand vous mangez, le corps, avec un esprit supérieur, distribue et envoie le vitamine aux places appropriées. Une quantité de vitamines dans le repas va vers les cheveux, Amen. Amen. Retenez la nourriture. Simba bilei. Maintenant écoutez, cher. Yokasika balinga mibandeko. La naissance virginale. Botama yangondo. Il n'y a pas de difficulté. Ezali na koko salate. Koko salate. Je crée là. Zambe akeli wana. Vous voyez? Omoni. Il crée seulement. Bon. Akeli kaka. Il n'a pas protégé quelque chose depuis l'été, non? Je crée une mauvaise série. Voilà pourquoi les hommes ont un paradoxe. 18 avril 64. Paragraphe 65-66. Il n'y a pas longtemps, au cours d'une discussion toujours avec un médecin, lorsque j'étais à une réunion de Kiwanis, il a dit, monsieur Branham, j'aime vous entendre parler à Dieu. Mais je vous assure, je ne peux rien croire qui ne soit prouvé scientifiquement. Je dis, vous prétendez être chrétien. Il a dit oui. Certaines de ces choses me rendent perplexe. Même beaucoup de docteurs, beaucoup de choses que Branham a dites, ces médecins disent, ça me rend perplexe. Alors j'ai dit, alors vous ne pouvez pas l'être. Chrétien. Vous devez croire tout. Voyez-vous? Il a dit, je ne peux pas croire à la naissance virginale. Et j'ai dit, eh bien moi, je peux croire à la naissance virginale plus facilement qu'à la naissance naturelle. Hein? Certainement. Pour faire voilà, c'est facile de croire à la naissance virginale. Si vous voyez comment dans la naissance naturelle, ce sperme venant du mâle. Voilà pourquoi Frère Branham dit ailleurs, la naissance naturelle est plus mystérieuse. Parce que dans la naissance naturelle, on parle de ton germe depuis la jeunesse. Et tu as subi ce qu'on appelle la transplantation.
Voilà pourquoi ce sang devait être nouveau. Amen. Amen. Vous voyez ça? Très bien. Maintenant, écoutez. Vous voyez en Éden? Frère Branham dit Adam était une semence. Et il dit que quand il observe la nature, la nature c'est la première Bible de Dieu. Il dit vous pouvez voir un arbre, une fleur tombée d'un arbre. Il dit après un temps, il regarde sur l'arbre, il voit la fleur sortir. Frère Branham appelle ça la résurrection. C'est quoi? De la même fleur. Il a fait les mon quoi? Hein? Parce qu'il dit quand je parle de la résurrection, il ne s'agit pas d'un remplacement. Frère Branham dit que cette fleur qui réapparaît, il dit c'est la même. Là, les gens des sciences aussi pourront le contrer. Écoutez, Yoka. Il dit que les hommes, écoutez-le, du 9 février 50. J'aime beaucoup la nature. La chasse. J'aime chasser. Et je contemple Dieu dans les montagnes. Ma première Bible, ça a été de regarder voir une petite fleur. Comme elle est belle. Parfois elle est jeune. Parfois elle est entre deux sages. Parfois elle flétrit. Mais une fois que la gelée la frappe, et c'est la mort. Quand la gelée la frappe, elle incline sa tête et perd ses pétales. Et de là tombe une petite semence noire. Savez-vous qu'on tient un cortège funèbre pour une fleur? Savez-vous cela? Absolument. Quand le vent d'octobre souffle, et que le pluie du printemps devient simplement des larmes du ciel, la fleur est tombée. Vers octobre, la pluie vient. Frère Branham dit c'est la nature qui commence à pleurer. Ce sont des larmes. Il dit on ensevelit carrément cette petite semence. Puis vient le mauvais temps d'hiver. Comme c'est le cas maintenant, il gèle. Et le petit pétale tombe de la fleur. Le petit bulbe s'est détaché et est gelé. La tige n'est plus. La fleur n'est plus. Le pétale n'est plus. La fleur n'est plus. La semence gonfle et éclate. Mon boto est vivi pe panzani. La pupe sort. De mon coco et n'angoué vivi. Il ne reste rien de cette petite pupe. Et l'autre, mon coco sous ce ticali, on a des bonnes affaires. Vous ne pouvez pas retrouver cela. Vous pouvez ramasser la morte de terre. L'amener au laboratoire. Et l'examiner. Il n'y a rien là que vous puissiez détecter. Et l'autre, mon coco. Que la science ne
à sa propre image. Quand le Fils de la justice se révélera, Adam, c'était la semence homme. Adam Azaki Molona Moto qui est tombé. Oyo et Kweaki. Lisons le chef-d'œuvre. Tota canalité à la pauvreté. Mon salaire à Kobonga. 170, 171. Mon Kamatuku Sambo. Mon Kamatuku Sambo Namoko. La parole est devenue chère. L'Iloba et Kobaki Soto. Tout comme il avait promis dans Luc 17. Kakanega la Katina Lukasomina Sambo. Malachi 4. Malachi Amine. Et tout. Voyez-vous, c'est exact. Apocalypse. Toute la vie véritable. Qui était dans la tige. L'aigrette. Et la barre. Est en train de se rassembler dans la semence. Prête pour la résurrection. Prête pour la moisson. Suivez. L'alpha est devenu l'oméga. Alpha a comme oméga. Amen. Amen. Le premier est devenu le dernier. Et le dernier est du verbe être et le premier. La semence qui est allée en terre. A suivi un processus et redevenu la semence. Et la semence qui est tombée dans le jardin de Eden. Et qui est morte. Est revenue. De cette semence imparfaite qui est morte là-bas. On est revenu à la semence parfaite, le second Adam. Mais la semence qui est morte en Éden, on est revenu à la semence parfaite qui est Adam. Il y a donc un petit rapport entre la semence tombée et cette semence tombée est revenue au second Adam. Adam qui est tombé là. Adam ou Yahweh s'est retrouvé d'une manière bizarre dans le second Adam. Je vais expliciter ça. Lisons d'abord Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 433. Observez. Racheté par Christ. Le second Adam. Adam et Yahweh. Voyez-vous qu'il était retournant à la maison en Éden avec son épouse déchue ramenée à la maison. C'est cela Christ et l'Église aujourd'hui. Il ramène son épouse. Voyez-vous le triple mystère maintenant? Dieu manifesté en Christ. Christ manifesté dans l'Église. Tous ensemble pour ramener Adam et Ève originels. Pour ramener Adam et Ève qui? Adam et Ève. La semence qui est tombée en Éden. Devait être ramené au temps de la fin. Mais, quelque part, a transité par l'homme qui est rendu. Écoutez, Yoka. Et ta postérité postérera la porte de l'ennemi. Du 12 février 61. Paragraphe
53. Dans les jardins d'Eden, lorsque Dieu avait à sa sainteté et fidélité à sa parole, lorsque Adam et Ève s'étaient méconduits, lorsque Dieu lui-même courait ça et là dans le jardin, qui était cet homme Jésus? Qui était cet homme qui était venu à la recherche de son premier fils perdu? Jésus était venu à la recherche de qui? Yes, de son premier fils perdu. Cette semence qui était tombée à l'Éden, elle est venue au Seigneur Adam. Cette semence, Adam, qui est rentré semence, comme la petite fleur qui est tombée. Père Abraham dit, cette semence, elle est venue au Seigneur. Et quand Jésus est venu, Jésus cherchait son premier fils. Le premier fils de Dieu, c'est qui? Le premier Adam. Tout celui qui vient ici n'est pas le troisième Adam. Mais celui qui vient, c'est le retour du premier Adam. Écoutez dans la révélation de Jésus-Christ. Du 15 décembre 60. 329. Écoutez ceci. Au commencement, lorsqu'Adam, je ne peux pas vraiment quitter, je ne peux pas vraiment pas quitter ce sujet. C'est comme si quelqu'un, quelque part, ne comprend pas cela. Et moi, écoutez, au commencement, laissez-moi encore vous montrer quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui m'avertit de faire ceci. Je quitte mon sujet. Lorsque les premières nouvelles annonçant que le fils Adam était perdu atteignir la gloire, Dieu a-t-il envoyé un ange? Zambé. A-t-il envoyé un fils? Zambé. A-t-il envoyé quelqu'un d'autre? Il vint lui-même pour acheter son fils perdu. Alléluia. Alléluia. Dieu n'avait confiance qu'en lui-même. Dieu fut fait chair. Maintenant écoutez. Comment il a fait? Frère parle de deux arbres. L'arbre de la vie. Qui va aller. Amen. Amen. Qui va aller se marier. Et un arbre romain. Hein? Jésus.
Yesu était l'arbre de vie. Azala ki nzete na bomoni. Il va se marier. Ake kobala sur la croix. Na ekulusu à un arbre maudit. Na nzete oyo elakela mimabe. Mais bon, on dit l'arbre c'est nzete zali kotalisa. Dans les investissements. Na kati na boloni. Du 3 août. Et dans le mois 1763. Paragraphe 250. Zika kotala kama ebele tumita. Et c'est grand arbre. Pe nzete monene oyo. C'est grand arbre de la vie. Lorsqu'il a poussé sur la terre, il a été coupé par une lance romaine et suspendu à un arbre romain. On prend l'arbre de la vie, on le met sur un arbre romain. Écoutez, et c'est grand arbre, c'est grand arbre de la vie. Lorsqu'il a poussé sur la terre, il a été coupé par une lance romaine et suspendu à un arbre romain. Un arbre maudit, un arbre cruel. L'arbre de vie qui venait d'être créé par la naissance virginale. Mais par là, il a racheté un arbre douce. Le mélange de l'arbre de la vie qui achète avec l'arbre romain, c'est là un produit. Un arbre douce épouse a racheté. Il a coupé par une lance romaine. Dites-moi, comment un homme pouvait parler comme frère Branham? Comment il peut prendre un arbre qui est un homme, il mélange à un arbre bois et il fait sortir une doctrine? Si ce n'est pas l'auteur de la parole, lui. Écoutez, Yoka. Il continue. À combien nous verrons? Mais c'est grand arbre. C'est grand arbre de la vie. Lorsqu'il a coupé, il a poussé sur la terre. Il a été coupé. Par une lance romaine. Et suspendu à un arbre romain. Un arbre maudit. Et cruel. Mais par là. Kasi na yango. Il a acheté un arbre épouse. L'arbre épouse un semblable à lui. Il continue. Cet arbre Ève du jardin de Dieu. Ève, il le ressent comme un arbre. Mais quel arbre? On va voir ça. Ève, l'arbre. L'arbre qui était tombé. Ève, au commencement, Adam était allé vers elle. Or, Adam, c'est aussi un arbre. Ève, c'est un arbre. Adam va vers un autre arbre. Comme l'arbre de la vie est allé vers l'arbre. Adam est allé avec elle. Adam a maintenant,
Adam vient avec le deuxième Adam. Adam, Azali Koya, il y a Adam à lui. Adam là, Adam Awana vient, Azali Koya, avec le deuxième Adam. Et le roi Adam a lui parlé. Mais comment? Négalini. Comment? Négalini. Parce que déjà dans le plan de Dieu. Papa, t'es gâté dans moi, pour la semence qui est tombée à l'Éden. Mon pote n'est pas qu'il a l'Éden. Devait revenir. Et c'est là qu'il vous a. Cet Adam est imparfait. Et cet arbre du cet arbre herbe du jardin d'Eden, l'arbre qui était tombé, Eve, au commencement, Adam était allé avec elle. Maintenant, Sikawa, pas demain, l'obité. Pendant que William Branham parle, il dit. Alors, Adam vient avec le deuxième Adam. Alors, Adam, Azali Koyana, Adam ou Yamibale. C'est comme si deux Adam viennent. Adam du Tenetet. Adam ou Yahedet vient avec le deuxième Adam. Donc, de vous voir un mariage. Mystérieux. Qu'on devait revoir au temps de la fin. Pour qu'on parle de l'Éden restauré. On devait voir Adam restauré. Amen. Amen. Ève a fait ça avec Adam. Ève a fait ça avec Adam. Adam a regardé cet arbre. Adam a regardé cet arbre. Ève était un arbre. Ève a fait ça avec Adam. C'est là. Maison. Maison. Question réponse sur les Hébreux, première partie. Mais tout le monde a fait si un homme mange de la femme, Soko Moto, Alei, Nanzete, ou Alei, Moisi. Et regardez en naissant par la femme, nous mourons tous. Parce que nous sommes sujets à la mort. Est-ce vrai? En naissant par la femme, en naissant de l'homme, tous nous vivons toujours. La femme est l'arbre de la mort. Moi, si Azali, c'était à l'Iwa. Sœur, peux dire amen. La femme. Moi, si. Est l'arbre de la mort. Azali, c'était à l'Iwa. L'homme. Est l'arbre de la mort. Azali, c'était à l'Iwa. Quand l'arbre de la vie. Est-ce l'arbre romain. Et qu'il y ait une corona, c'était à l'homme. Amen. Amen. C'est là que produit l'arbre et l'épouse. Ça mélange là. Et Adam, qui est l'arbre de la vie, était allé vers l'arbre de la mort. Ça a produit Abel. Abel. Amen. Amen. Antipe. Voilà. Vous voyez? Alors, mais comment le premier arbre? On va terminer. Mais je sais que vous êtes maintenant ouvrez votre entendement. Dans le plan du sujet. Comment le premier Adam est-il devenu au second? Adam a eu un Adam a nous a fait maintenant du nom. L'arbre de vie.
est allé être pendu sur l'arbre romain. Et cela a produit la vie. Tout comme Adam est allé vers l'arbre Ève. Et cet Adam doit revenir dans le second Adam. Écoutez. Comment tu es arrivé chez ton arrière-grand-père? Je ne dis que ce que Branham a dit. Soyez prudent. Comment toi tu es arrivé dans ton arrière-grand-père? Et comment maintenant le premier Adam qui était une semence pouvait venir à Jésus? Écoutez. Ici, je serai, ce sera peut-être un peu très profond et dit. Mystérieux. Présent le temps de la moisson. Du 12 décembre 64. 338. C'est la même chose avec Jésus. Vous voyez, quand il fut baptisé dans l'eau, il fallait ses préparatifs. Il était sanctifié pour commencer par le Père. Puis il a levé le main. Et voici venir les colombes sur l'agneau. Qu'est-ce que Dieu faisait quand il a placé la colombe là? Pourquoi il a fait ça? Il réclamait cette partie de la vie. Il n'est pas tombé, il est créé originellement. Comment la colonne de feu vient de réclamer? Explicite, suivez. Il réclamait cette partie de la vie. Ce qui était une partie de la vie. Quoi? Il continue. Jésus mangeait la nourriture comme nous. Quand il mangeait, il développait les cellules vieilles de la terre morte. Écoutez, Jésus a commencé à porter nos péchés en mangeant. Aussi des substances de cette terre. Amen. Quand Jésus mourait, quelqu'un sortira de lui. Et il dit que c'est le sang qui a coulé, et c'est le sang qui est retourné au saliment. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il est en bleu clair. Hein? Hein? Frère, pendant la pause. Comment il vient réclamer cette partie de la terre? Qui était une partie de la terre? Jésus mangeait la nourriture comme Yoga. Tellement fétu.
évangile est allé de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. 468. Jésus est venu racheter. La ramener au Père. Pour faire ça, il en est devenu une partie. Jésus est venu. Par quoi? Par en se mélangeant avec ses pères. Il devait manger en principe de la nourriture aussi créée. Dieu devait lui donner le pain créé. Dieu devait lui donner les vaches créées. Dieu devait lui donner des pondus qui tombaient aussi. Il dit non. Il doit seulement devenir cette partie de la terre par identification. En mangeant, il s'identifie. C'est pourquoi il dit pour faire ça, il en est devenu. Verbe devenir. Il en est devenu une partie. Comme je viens juste de l'expliquer, et de cette poussière même, la partie que Jésus était lui-même, qui est rachetée, à travers lui, tous les attributs de Dieu sont rachetés avec la terre. Il était si donc vous pouvez reconnaître, quand il est sorti de l'eau, il a dit je vis le ciel ouvert. C'est le prophète qui a vu ça. Il a vu le ciel ouvert. Et voilà que descendu du ciel la forme d'une colombe et une voix qui disait ceci est ma partie de la terre que j'ai rachetée. Et de cette partie de la terre, j'ai racheté le reste. Mais il est devenu une partie. Par quoi? Parce qu'il se nourrissait de nos cellules. Il Il a vu quelqu'un en Jésus. Mais quelqu'un là ne venait pas du ciel. Le premier Adam devait revenir au second Adam. Le premier Adam devait se retrouver mystérieusement dans le second Adam. Et quand Dieu regardait à la croix, il voyait alors frère Branham dit, moi mon épaule est penchée. Parce qu'un jour, je portais un lourd fardeau. Il dit, j'étais en lui. Et quand on l'a frappé, quelqu'un est sorti de lui. Et il s'est retrouvé là. Et Dieu regarde. Je vois deux. Je vois l'arbre de vie, l'arbre pousse. Et bon, je le tue. La substance chimique sort. Quelqu'un est sorti, il est trop fort d'aliments.
azongi na bilei azalaki ekolia. Il n'est pas monté dans l'ascension avec ton son sang. Son sang est donné aux aliments. Or les aliments ont une vie. On les dira le vendredi. Mais lisons d'abord. Et tout le monde est coupé. Ceci est ma partie de terre que j'ai rachetée. Et de cette partie de la terre, je rachèterai le reste. Amen. Amen. 313. Oui, oui. Yo. Non, je prends déjà 358. Pourquoi il est devenu cette partie de la vie? Il y a des raisons encore. Par la nourriture qu'il mangeait. Et parce qu'il venait d'une terre qui est une femme. 358. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et Jésus était une partie de la terre. La vie de Dieu a été conçue dans le sein d'une femme, pas vrai, qui était une terre. Aussi créé dans un sein créé virginalement, c'est créé dans un terrestre. Et Jésus était une partie de la terre. Pourquoi le germe de Dieu, la vie de Dieu a été conçue dans les seins d'une femme, de Dieu qui était la terre. Quand tu as créé le germe Jésus, il l'a mis dans la terre. Et cette terre c'était Marie. Il y a eu déjà quelque part une partie d'identification. L'enfant dans le ventre se nourrit déjà de la nourriture de la maman. Vous êtes avec moi? Et déjà, il partageait la nature de notre terre. Donc, en mangeant la nourriture, Jésus s'est identifié totalement. Et comme conséquence, il pouvait être tenté. Il était même tenté sur le plan de femme. C'est-à-dire qu'il avait les impulsions comme nous. Il pouvait avoir des enfants. Tout simplement parce qu'il a porté notre nature en part à s'identifier à nous. Un jour, Dani Henri, il est arrivé là au frère Branham prêcher. À comment Jessica Zalaki de Branham côté? Il a ton frère Branham prêcher. À Yoki de Branham côté, à côté. Il dit non. Un homme ne peut pas parler. Il termine. Il vient me faire voir. Il le tient à la main. Il lui fait voir. Quand tu as choisi ce chemin, Tango, you're going to
à la naissance. Que vous étiez déjà à son plan.